Salut tout le monde, ravi de vous retrouver les potos sur la chaîne YouTube. Moi je suis bien content de vous retrouver hein, depuis hier. Alors, tout de suite d'entrée, je voulais remercier les nouvelles personnes hein, qui se sont abonnées à la chaîne YouTube. On n'en a pas 100 000, hein. Il y en a quelques-unes, mais ça fait plaisir. Donc s'ils s'abonnent à la chaîne YouTube, eh bien ça prouve que je fais les choses plutôt pas trop mal. Donc je les remercie hein, de s'abonner. Et puis s'ils veulent faire venir du monde, eh bien ça sera encore meilleur. Donc nous on est là les potos et on va parler un petit peu de l'équipe de France hein, qui joue ce soir contre la Bosnie-Herzégovine. Donc déjà je voulais vous présenter ceci les potos. Alors ça fait pas longtemps que je suis rentré de l'entraînement avec mes jeunes, les U9. Voilà un peu les nouvelles godasses qui viennent d'arriver. Alors, je m'en suis servi tout à l'heure. Voilà un peu les nouvelles Nike. Voilà. Ah, c'est un peu sale en dessous. Hein, je m'en suis servi. Mais voilà un peu à quoi ressemblent les nouvelles godasses que j'ai achetées, tout simplement. Donc, voilà, il y a déjà une salissure. Normal, j'ai joué avec tout à l'heure. Donc, voilà un peu à quoi ils ressemblent. Ils sont jaunes fluo. Donc, voilà. Ainsi que le ballon. Eh oui, le ballon de la Ligue des Champions. Voilà, le ballon de la Ligue des Champions qui sera de cette couleur-là, les poteaux, cette année. Voilà. Donc, alors, France, Bosnie-Herzégovine. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le match-là? Hop là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le match-là? Tout simplement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un match à ne pas prendre à la légère. Hein. Alors, on sait que la Bosnie-Herzégovine, hein, tout le monde va dire, ouais, c'est facile, la France va gagner 5, 3, 4-0. Ouais. Bah, s'ils jouent comme ils ont joué au championnat d'Europe, ça va être compliqué quand même. Hein. Donc là, on va bien voir un peu le duo Benzema-Kylian Mbappé. Alors, hein, depuis maintenant, ils sont cul et chemise. Hein, ils sont cul et chemise. Hein, ils dorment presque ensemble. Je rigole, mais bon, c'est presque ça, quoi. Hein, c'est quand même incroyable. Mais bon, voilà. Après, voilà. À cette heure-ci, il est 8h moins 10. Hein, on n'a pas les compos encore. On ne sait pas encore vraiment ce qui va se passer. On ne sait pas qui c'est qui va jouer. Donc, on verra bien un peu. Voilà. On va attendre un petit peu, tout simplement. Samedi prochain, je ferai un live tout simplement pour mon premier match avec mes jeunes, mes U9. Donc voilà, donc je vous ferai, il y aura un petit live directement du stade de lundi, ben de lundi, de samedi prochain, ben samedi qui vient là. Et on essaiera de vous faire plaisir tout simplement. Après, le mercato c'est fini hier. C'est terminé. Griezmann retour avec l'Atlético Madrid. Camavinga au Real. Nunes Mendes au Paris Saint-Germain. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup l'encens parce que bon, c'est plutôt un bon joueur. Bon, il est jeune. Donc, on verra bien. On verra bien un peu ce que ça va donner. Une chose qui est sûre, c'est que je ne suis pas couché parce que ce soir, il y a le Brésil qui joue, il y a l'Argentine qui joue. Donc il y a les sacrés matchs ce soir, donc on n'est pas couché, on n'est pas couché, on n'est pas couché, donc il va avoir des vidéos. Il va avoir des vidéos toute la nuit, hein, des petites vidéos comme ça, ils vont en avoir plein plein plein, jusqu'à demain matin, hein, tout simplement. Parce que je crois que le Brésil, il joue à 3h30, je crois, ou 4h du matin, je crois, je ne sais plus, un truc comme ça. Donc voilà, donc il y a du foot toute la nuit. Donc on sera actif tout simplement toute la nuit. Donc sur ce, moi je vous laisse, hein, c'est vraiment des toutes petites vidéos qu'on va faire. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Hein. Moi je voulais remercier quand même les personnes hein, qui ont été mettre des pouces. Hein. Alors sur la dernière vidéo, il y a eu 40 vues. Hein. Donc il y a eu 40 vues. Il n'y a pas eu trop de... Alors je regarde, il y a eu 15 pouces. Voilà, il y a eu 15 pouces. Bon. Par contre, l'avant-dernière est plutôt pas mal. Ah, il y a eu un pouce. Alors c'est quand même incroyable. Hein, c'est quand même incroyable. Et moi, hier, on m'a dit que YouTube pouvait bloquer des vues et des pouces.
Et là, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que. Parce que là, voilà, quand je fais l'officialisation de Nuno Mendes au Paris Saint-Germain, j'ai un pouce. Vous imaginez? J'ai un pouce seulement. J'ai seulement un pouce. Et hier soir, j'en avais quasiment, je ne sais pas combien, beaucoup plus. Mais là, je suis descendu à 1. Alors, on ne sait pas pourquoi. C'est quand même bizarre. Hein. C'est quand même bizarre, ça. C'est quand même bizarre. Et on va regarder la dernière vidéo. Donc voilà, la dernière vidéo. Voilà. Alors, ça c'est pareil. Hein. Il y avait facilement 37 pouces. Et là, on est descendu à 15. Donc il y a des trucs pas normaux sur Facebook, pour YouTube. Franchement, il y a des trucs pas normaux. Voilà, il y a des trucs pas normaux. Alors, on m'a expliqué hier hein, que. YouTube pouvait bloquer si les vidéos sont pas terribles ou si ils aimaient pas. Bah après, s'ils connaissent rien au foot, c'est sûr qu'ils vont pas aimer, ça c'est clair. Mais bon, voilà, c'est pas un problème. Hein. Moi, je suis pas youtubeur, je fais ça pour plaisir. Et vous le savez tout simplement. Donc sur ce, moi je vous laisse et puis on se retrouvera dans la soirée. Hein, il y aura un débrief à la mi-temps de l'équipe de France, débrief à la fin et débrief dans la nuit. Pour parler du Brésil et de l'Argentine, tout simplement. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne soirée. Allez les bleus. Et puis nous, on se retrouve un peu plus tard dans la soirée. Ciao! Et puis n'oubliez pas de mettre un pouce, abonnez-vous, partagez. Ça sera toujours ça de gagner. Allez les bleus!